racines les plus jeunes. C'est papé, toi, les racines... Oh, les marrons, là? Oui, les marrons, oui. Là, je récupère les racines de haut, là. Attention. Bon. Pour les ateliers de... d'après-demain. Pour faire du tapas. Selon la longueur et le diamètre, ça va définir la taille du tapas et le temps que ça va mettre pour fabriquer du tapas. Maintenant, le but, ça va être de raccourcir, de faire des petits morceaux avec les racines qu'on a récoltées. Hein. Et là, on va garder à peu près 12-15 cm de long par rapport à la durée de l'activité, en fait. Le bagnon, le hora, comme les anciens disent, pour moi, ça a toujours été un lieu assez mystérieux dans le temps, hein, quand j'étais gamin. On nous a toujours fait peur que ces arbres-là, c'est le lieu, c'est le domicile des esprits. Et c'est ça qu'on a toujours, gardé ça dans notre tête, alors que dans notre culture polynésienne, c'est sacré. Tu sais, aujourd'hui, la pluie, elle est là. Tout ce qui tombe d'en haut, c'est béni. Ce qui fait que dans nos actes, on est béni dans ce qu'on est en train de faire, tous les gestes qu'on fait. Faites attention à cet environnement, à cette nature. C'est un cadeau qu'on nous a donné. Il faut qu'on la préserve. Il faut savoir que les dieux, aux temps anciens, changeaient de nom en fonction de l'action qu'ils vont faire. Tutu, c'est battre le tapas. Ha'a, c'est l'action. Hein? Donc Hina, la déesse de la lune, prend son nom de batteuse de tapas à partir du moment où elle fait cette action-là. Au temps ancien, en fait, le battage de tapas se faisait surtout à la pleine lune. Parce qu'au fait, à la pleine lune, la sève remonte dans les arbres. D'où au fait que les lunes étaient importantes pour les Polynésiens. Parce qu'au fait, ils voyaient chaque jour un mouvement différent de la lune, elle rétrécissait. OK, on a ces poissons-là qui arrivent. Ah, c'est plutôt le mât va arriver à ce moment-là. Et si on plante à cette saison-là, on va récolter à ce moment-là. Maintenant, quand elle battait du tapas, c'était sur des enclumes, des toutouas de 5 mètres. Et au fait, même le capitaine Cook, quand il va arriver et qu'il va cartographier Tahiti et les îles aussi, mais il disait qu'à chaque grande vallée, il entendait ce toutoua. Tac, 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 tac. Et justement, il racontait, ben, c'est comme si les îles chantaient. Quand on va faire du tapas, vous allez voir, vous êtes assis et assises. Et au fait, ben, à un moment donné, on a nos jambes qui vont un peu s'engourdir. Yes. Il y a les fourmis dans les jambes. Et bien, du coup, on se levait. Et qu'est-ce qui se passe? Il y a le rythme. On s'étire et on a les premiers pas de danse à ce moment-là. D'où au fait qu'à chaque fois, je dis, le tapas, au fait, ça lit toute l'histoire. Quand on comprend le tapas, on comprend la hiérarchie sociale, on comprend les us et coutumes et donc toute notre histoire aux temps anciens. On n'est pas que un marais, mais on était un centre de pouvoir avec tous les marais à côté. Et aujourd'hui, on a ce faricoté. Quand Bobby est venu ici, il a vu que l'enfant était très colonisé, que l'Église était très sévère et l'enfant était perdu dans sa culture et sa langue. Sa vision, c'est qu'on remet l'enfant dans l'école et qu'on les apprend leur culture. Et aujourd'hui, je vois qu'avec Hinatea, que ça commence d'aller, comme la vision de Bobby. On commence maintenant de comprendre que c'est très important pour l'enfant. L'important pour moi, c'est d'apprendre la culture polynésienne. Sans culture, on n'est rien. On n'a pas nos ancêtres. C'est eux qui ont créé notre culture. Aujourd'hui,
on va vous apprendre à faire du tapas. Parce qu'aux temps anciens, c'était ce qui habillait nos ancêtres. Chaque couleur de tapas structurait la société. C'est-à-dire, si vous étiez Manahouné, vous portiez telle couleur. Si vous étiez Ari, vous portez telle couleur. Les Aïto, telle couleur. Les Arioï, telle couleur. J'ai appris comment nos ancêtres faisaient leur linge. J'ai appris à faire le tapas. Je ne savais pas faire. J'ai remarqué qu'il y avait beaucoup de gens comme moi qui n'avaient jamais fait de tapas ou joué du toéré. Je viens de Tahiti, du centre culturel Arioï. Ça fait depuis petit que je fais ça. Tati Nats m'enseigne ça très jeune. Et là, on vient apprendre aux enfants de Huarine à faire du tapas, de la percussion, parler en tahitien. Et depuis tout à l'heure, on entend « c'est bien le tapas, c'est bien, on tape ». Je me sens encore mieux. Déjà au début, je me sentais bien parce qu'on venait là pour faire une bonne action. Et là, c'est waouh, quoi. J'ai retenu que pour agrandir le tapas, il faut taper sur un bois. Je suis contente d'être venue ici de Tahiti jusqu'à Huarine pour apprendre à ses enfants ce que c'est que le tapas et faire renaître leur culture. À côté, il y a un atelier de musique, de toéré, et les enfants, en écoutant le rythme du toéré, battent en même temps. Et ça fait une musique. Et les femmes, avant, ils faisaient la même chose, mais ils se levaient pour danser. C'est probablement comme ça qu'est né le premier rythme de danse en Polynésie, grâce au tapas. Aujourd'hui, la première activité, nous sommes allés au toéré. Et c'était bien, ça m'a plu. Ce que j'ai aimé, c'est le toéré, c'est la musique. Quand je suis fatiguée, j'arrive pas encore à ressentir. À me sentir bien. On voit sur le regard des enfants qui sont épanouis. Hein, ils sont contents. Et puis nous, on veut que ça, on veut que partager ça. Tu sais, les gens, ils ont des passages à vide des fois dans la vie. Et puis moi, c'est la musique qui m'a ramené un peu dans le droit chemin, qui a aidé à garder la tête sur les épaules et les choses comme ça. Ça m'a donné des racines un peu. T'as. Moi, je suis fier de rencontrer des enfants qui ont envie d'apprendre. Ça prouve que finalement, nos enfants, ils sont attachés à ce qu'ils ont. C'est juste qu'ils n'ont peut-être pas été exposés assez tôt ou assez souvent à la musique traditionnelle ou aux rites et coutumes de notre petit pays. Tu vois. Je souhaite et puis j'encourage tous les jeunes de l'île et tous les jeunes de la Polynésie de garder notre savoir-faire, notre culture à travers nos chants, nos danses, notre musique et surtout notre langue. Troisième activité. Donc c'est le Oupa Oupa. Ça m'a plu, on a appris des chansons. Ya ora ite fare reira ai. Ai. O vai te ie, o vai te ie, o mor te ie, o moya te ie. Pour moi, la culture de Huarine, c'est très important d'apprendre à nos petits-enfants d'aujourd'hui. On ne peut pas laisser mourir notre culture. Il faut qu'on garde notre culture, notre langue, notre savoir. Et pour ma part, je suis très, très contente de participer, parce que c'est la première fois que je fais un tapas. Et je sais c'est quoi le mati, la graine. Enfin, j'ai vécu tout ça pendant les deux jours, avec le feu de graine de Ati, Tiahiri. J'ai compris cette semaine pourquoi c'est cher le tapas, parce que c'est du travail. Et j'ai donné mon amour en apprentissage. C'est ça un peu le message que je voulais passer à la population de Huarine pour l'année prochaine. Et j'y tiens vraiment. J'y tiens vraiment que mon tavana et le conseil de Huarine tiennent le projet, me soutiennent pour ce projet-là, pour l'année prochaine. Et Maruru encore au centre Arioï, Hinatea et toute son équipe. Merci beaucoup.
et que Dieu vous accompagne dans tous vos projets. Pour moi, c'était important de la faire à Huahine parce que mes ancêtres sont aussi de Huahine et c'est rentré un petit peu dans mon upu feti, dans ma famille, et surtout d'être en connexion avec également les enfants d'ici. Donc c'était vraiment un parcours du combattant. Ce projet, on l'a créé depuis 3 mois. Et on est heureux parce qu'on a pu accueillir plus de 135 enfants et adultes. Donc là aussi, l'après-midi, on est avec les adultes, on est plutôt en formation. Parce que notre objectif, c'est faire découvrir, donner au fait des vacances culturelles aux enfants, mais aussi au niveau des adultes, leur faire découvrir leur culture, mais surtout les sensibiliser à ce qu'ils deviennent transmetteurs, à ce qu'ils deviennent passeurs de ce savoir, de cette culture.